Regarde, on craint beaucoup, hein. Hitler est en France avec Göring et von Brauchitz. On craint qu'il profite de Noël pour tenter l'invasion de l'Angleterre. Y a donc pas de limite. Mmh. Oui, Flore, qu'est-ce que c'est? Ce sera un télégramme pour vous. Merci. Puis, monsieur Tancred, est-ce qu'on aurait le plaisir de vous garder pour dîner? Malheureusement, non, je dois retourner à Valcartier. Mais figurez-vous que je dois présider un dépouillement d'arbres de Noël dans le mess des sergents. Merci tout de même, ma belle-fille. All right? C'est d'Émile. Son arrivée retardée. Mardi, 4 h le 24, au lieu de demain. Il doit passer par Toronto. Ah. Il faut que vous m'aidiez avec lui, Tancred. Ben, vous n'avez plus rien à craindre pour Émile. Il est nommé instructeur. On pourrait même l'assigner ici, à l'ancienne Lorette, possiblement. Il était tellement désappointé dans sa lettre. Oui, je sais. Tous ces jeunes gens ne rêvent que de chasse. Ils se voient déjà comme des as, là, battant l'ennemi. La chasse au canard, c'est bien naturel, c'est tout à fait de leur âge, ça. Ils se font une idée bien confuse de ce qu'est la guerre. Il y avait des pilotes allemands dans le train de prisonniers la semaine dernière. Affreusement brûlés, mutilés pour la vie. Des enfants, 18-19 ans. Je sais. Margot croyait bien que je sais. Mais Émile, lui, est hors de danger. Le Wing Commander m'a dit. C'est l'élève pilote le plus brillant de sa promotion. Et de toute façon, l'aviation le garderait au Canada. Le besoin en instructeur est tellement grand qu'on écrème les classes à mesure qu'elles gagnent leurs ailes. Alors, notre petite stratégie a très bien marché. Faites fier de nous et de lui. Je voudrais surtout qu'on évite de se confronter tout le temps. Ça, bien sûr, il va vous raconter ses rêves, ses exploits. Ah ben, laissez-le dire. Non, c'est vraiment un pilote exceptionnel, à ce qu'on m'a dit. Oh. Savez-vous ce qu'il a fait à son examen final pour impressionner le chief instructor? Quoi donc? Bien, il volait en rase-motte. Et puis, d'un petit coup d'aile, il a tué un renard qui courait dans la neige, là, par exprès. Oh, arrêtez, ça me donne froid dans le dos. Évidemment, ça lui a valu quelques mauvaises notes. Mais il n'y a pas un pilote sur 1000 qui pourrait réussir un coup pareil. Paraît-il, hein? Et puis, voyez-vous, c'est ça notre garantie pour Émile. Son habileté naturelle, c'est sa survie. Hein? Et nous, c'est notre meilleure chance. Hein? Heureusement que vous êtes là. Oh, my God, I'm late. Excuse me. Ah. Vous réveillonnez avec nous, mardi. Oh, ça, je crains que ce soit très difficile. Vous savez, c'est mon premier Noël avec mes hommes, alors... Oh, j'y tiens, Tancred. Toute la famille va être réunie. Votre place est ici, ah, avec vous. Ah, merci. Ah. Ben, je t'annonce ça à toute la famille. C'est pas le réveillon qui compte tant que ça, Charles. C'est le fait que ton père te fasse changer d'idée. Je vais avoir de l'air un peu folle, c'est sûr, mais ça... Non, je peux m'arranger. Tu fais ce que tu veux. Oui, mais céder sur des petites choses, ça peut faire aussi qu'on cède sur les grandes. Oui. Oui, c'est comme tu veux. Préparez la cave, Flore et moi.
Flore? Oui? T'es en bas? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour danser. Colette a fait tout un branle-bas pour que ça danse au réveillon. Ah? Danser, hein? Oui. On inaugure. Hein? On va être les premiers à danser. Oh. Ramona, I hear the mission bells above. Lâchez-les un peu. Ramona, they're non, ringing out our song of love. I press you, caress faut you. Faut voir que c'est pas le temps. Aïe. Aïe. Non, mais... Regardez, là. Voir ce que vous me faites faire. Oh. Oh. Mais oui, mais... C'est de ma faute si je t'aime, moi. Oh. Lâchez-les. Non, regarde. Regarde, écoute une minute, là. On les annonce, nos fiançailles pour Noël. Hein? Puis après, c'est ici qu'on va venir danser toute la gang pour fêter ça. Non, mais je connais ma classe. Ah, fiancée, t'as le droit. Tu fais partie de la famille à partir de là. Je voudrais pas faire d'affront à Madame Rousseau. Bon, elle. Émile arrivée, elle va être toute changée. Non, mais venez m'aider au lieu de m'empêcher. J'ai pas toute l'après-midi. Veux-tu y penser? Ah, non, mais vous êtes-tu assez collant? Juste un petit bec, puis je te lâche. Ah, t'es là. Ça coûte cher, c'est pas croyable. Les bas de soie sont rendus à 60 cents. Mais qu'est-ce que t'as? C'est rien. C'est affaire sans importance. Et ça te fait de la peine? C'est Charles. Son père insiste pour qu'il réveillonne avec sa famille. Tu comprends? Ils sont reçus à l'archevêché. Et ça te déçoit? Un peu. Émile revient. Son ami à Charles. Je m'étais inventé toute une fête. L'archevêché, c'est tout un honneur, faut comprendre. C'est pas ça. Ça, je suis capable de comprendre ça. Mais tu vois, c'est Charles là-dedans. Il parle tout le temps de liberté, de... faire son chemin lui-même, d'obéir à son destin plutôt qu'à son père. Il plie à la première occasion. Vraiment, t'exagères pas un petit peu. Qu'est-ce que tu penses? Il dit qu'il veut plus retourner à Kingston, mais il va mettre son uniforme rouge pour le réveillon. Il t'a dit ça? Son père, il tient. Lui, Charles prétend que c'est pas le temps de faire une histoire pendant les fêtes. Il dit qu'il va leur parler après. À la fin des vacances. Je sais que ça inquiète Corinne, tout ça. C'est peut-être elle qui lui a suggéré d'attendre. C'est pas Kingston, le problème. Tu comprends? C'est qu'ils disent tellement qu'il veut faire une chose, puis après, il fait l'autre. Est-ce qu'on connaît jamais les vraies raisons des gens? Peut-être qu'ils n'ont pas tort de temporiser, de ménager. Je pense que c'est pas ça. Mais tu vois, avec Émile, c'est ce que tu fais, toi, temporiser entre lui et moi. Mais c'est pas la même chose. Il faut pas croire que les parents ont toujours tort puis qu'ils tiennent absolument à brimer leurs enfants. Oh, maman, c'est pas toi. Les Saint-Pierre sont pas comme toi. Loin de là. Toi, au moins, t'essaies de comprendre tout le temps. Même quand tu te trompes. On sent que tu t'inquiètes pour nous autres, pour notre bien à nous autres. Ben, j'essaie, en tout cas. Mais oui. Tandis que Charles, c'est comme un outil pour son père. Une décoration, une médaille. Mais pour toi, Charles, c'est pas ça, hein, il me semble. Ça
Ça commence à être sérieux, tu penses pas? Je suis comme ça avec tout le monde. Ça compte pour moi ce qui leur arrive à mes amis. Bon, en tout cas. Émile arrive mardi, on prépare la maison, puis on se fait une belle fête. D'ici là, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Tu reparleras à Charles, puis vous allez trouver moyen d'arranger ça. J'ai pris le risque. Je me suis dit, la Providence s'occupera de le remplir, ce compte en banque. Une qui n'a pas voulu en prendre de risque, c'est Denise. À moins qu'Émile lui-même pense à l'inviter, elle ne veut pas venir. Elle m'a fait promettre de ne pas m'occuper de rien. Émile, c'est lui! Oui, c'est à peu près l'heure! Maman, je te présente Florence Gardiner, ma fiancée. Madame, enchantée. Welcome, welcome. T'aurais dû me prévenir. Je savais pas comment t'expliquer. Je voulais que tu la vois. Comment ça va? Ça va bien. I am Colette. Bonjour, Colette. We'll talk a lot about you. Je connais toi. Beaucoup, beaucoup. Moi? Colette, allô! Comment ça va? Michel, et que je suis content de te voir! It's my brother Michel, le plus beau, le plus fin de la famille. Hein? Hey, tu commences à être pesant, champion? Moi, attends, je suis un bébé. Bonjour, Michel. Plus beau, plus fin, is that true? How are you? Tu parles anglais? Pas niaiseux. On l'apprend au collège. Well, take off your coat, your things. Parlez-moi français. Ben, c'est pour aller chercher Florence à Toronto que j'ai retardé mon arrivée. C'était mon premier professeur de vol à Eglinton-on-Park. Puis c'est là qu'on s'est connus. You, une aviatrice? A plane pilot? Yes. Bon, on s'était pas vu depuis 2 mois. À un moment, tu sais, les fiançailles, c'est notre intention. Mais Florence voulait absolument qu'on t'en parle avant. Et avant qu'on le dise publiquement dans sa famille. Oh, yes, sure. Absolutely. Bien. Je suppose que tu vas m'expliquer tout ça, Émile. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tes lettres m'annonçaient rien. Il faut que tu m'aides à comprendre ce que tu deviens. Oui, parce maman, que... c'est sûr. Voyons, je vais tout expliquer ça. Do sit down. Es-tu pilote, là? Sergeant Pilot! Puis peut-être que je vais être officier. Je vais le savoir entre Noël puis le jour de l'an. Ah oui? Ben oui. Ils font ça comme ça. Ils choisissent après, puis ils avertissent par lettre. Bon! Ben, tu viens-tu m'aider, champion? Hein? J'ai laissé les bagages sur la véranda avec les cadeaux. Où est-ce que tu nous installes, maman? C'est très beau. C'est rare, hein? Très riche. My father is. There's pas mérite. Mon papa. Is that right? Mérite? Oui, c'est ça. Pas de mérite, oui. Mon papa, moi, il est mort. Yes, I know. Emile dear à moi. Oh, darn it, I don't know how to speak French properly. I'm sorry for your father. Sad. Sad. Chagrin. Beaucoup chagrin for you. Oh. Colette, Charles te demande au téléphone. Hey, c'est le fun que ça continue, vous deux, hein? C'est correct, ça? Sorry, téléphone. 5 minutes. Take all your time. Okay. It would have been too much to ask for a double bed.
J'aurais aimé ça dormir avec toi. Not tonight. Speak French. I won't learn otherwise. Ah oui, il y a maman qui dit que tu peux venir à la messe de minuit. Did you tell her? Je suis protestante. Oui, je lui ai dit. Ben, elle trouve que t'as bien tort, mais elle dit que tu peux venir pareil si tu veux. What? Attention, take care. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être qu'on peut s'arranger avec Colette. Hein? Changer de place quand tout le monde dort. Oh, non, 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 don't do that. Pas faire chagrin. Pas du tout. Pas chagrin Colette, pas chagrin personne. Let's wait. We'll find a way. Es-tu contente? Of course I am. Colette is so nice. They're all so nice. Et toi? Contente? Toi aussi contente? Oh, yes. Ça, là, c'est vraiment le plus difficile. Tu sais, faire des vrilles les premières fois, là, ça donne déjà des papillons dans l'estomac. Alors, t'imagines une vrille aux instruments la nuit? Tu t'ennuies de ta mère un peu beaucoup, hein? T'as-tu fait des accidents? Ben non, Michel, justement, c'est d'apprendre à pas en faire. Émile! Hum? Florence, Flore, c'est pareil, hein? As-tu pensé à ça, Émile? Tu sais, Flore, Florence... C'est la même chose, Sainte-Toupie. Puis nous autres aussi, on a pensé à ça, les fiançailles. Hein, Flore? Hein? C'est vrai. On se prépare, là. On se pratique. Puis ça donnera peut-être des noces au printemps. Hein, Flore? C'est vrai, c'est décidé? Ben, j'ai pas dit non quand M. Pierre-Paul m'a demandé. Ben, félicitations! J'ai pas dit oui non plus. Mme Rousseau, elle aimerait mieux qu'on attende pour voir. Pouvoir venir le temps. Ça vaut la peine de réfléchir. C'est une décision qui engage toute une vie. Flore a raison de pas se presser. Coudon, toi, t'étais pas supposé danser avec ton falouette en bas. C'est pas de notre faute, si elle est pas venue. Tu pourrais t'en tenir pis te mêler de tes affaires. Oh, mon oncle! Oh, c'est méchant de me dire une chose comme ça! C'est comme je disais. Faut voir venir le temps. Son disque, tout un chacun aura au fond du cœur. Excuse, excuse, là. Je voulais pas dire ça. C'est parce que ça m'énerve, moi, toutes ces cérémonies-là. Non, excuse-moi, Colette, je voulais pas te faire de peine. C'est parce que je l'aime, moi, Flore. Joyeux Noël, tout le monde! Ah, joyeux Noël. Joyeux Noël, même si je suis en retard. Hein? Mais je tenais absolument à venir. Ah, joyeux Noël. Mais te voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ma belle fille. Ah, joyeux Noël. Ah, je suis donc content de vous voir, vous. Vous arrivez juste à temps. My God, is that so? Oh, yes. Mais j'ai fait le réveillon avec mes soeurs. Le padre a été très bien. Il a fait un sermon parfait. Et dans la circonstance, hein? Ben là, c'est vous le parfait. C'est vous, Sainte-Toupie. Ah non, on ne peut pas savoir comment est-ce que... Flore! Elle, où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer
attachée à la tâche originaire et de son père arrêté le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance. C'est eux qui lui donne un soir. Comment la trouvez-vous? Qui? Florence. Chantant. Really charming. J'ai causé un peu avec elle. C'est une femme, une personne très décidée. C'est pas une enfant du tout. Ah, ça je croirais, on le dit. Beaucoup plus mûre qu'Émile. Protestante. Ça promet des jours pas très faciles. Est-ce que ça paraît mes cheveux gris en grève? Quels cheveux gris, hein? Joyeux Noël, ma chère Marie. Nous en avons tant traversé. Nous finirons bien par nous en tirer encore une fois. Oh, chère Marie. You're beautiful. Du jour, fier de votre grandeur. Ah, votre orgueil, c'est de là que Dieu pêche. Couvrez vos fronts devant le Rédempteur. Couvrez vos fronts devant le Rédempteur. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaîne le fer. Il lui dit la reconnaissance, c'est pour nous tous. Il naît, il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Merveilleux du fond.